Sonadel, bonjour. Bonjour monsieur, c'est la Sonabelle? Non, c'est pas la Sonabelle. C'est pas la Sonabelle. Oh. Sonadel, bonjour. Voilà. Bonjour monsieur. Et que puis-je faire pour vous? C'est la Sonabelle. Non, c'est pas la Sonabelle. Ici, c'est Sonadel. Société nationale de distribution de délestage. Voilà. C'est vous seulement que je cherchais. Je vous appelle de Karpala. Ah, déjà, il y a coupure de courant dans mon quartier depuis ce matin. Regardez. Quoi? Moi, je ne comprends pas. Les gens, moi, ils sont gonflés chez eux là-bas. Je suis à Karpala, le courant est coupé depuis le matin. Vous n'avez pas la chance que vous avez des poteaux électriques. Mais c'est le courant qui n'est pas là. Et ceux qui sont dans les zones non loties, comment ils vont se débrouiller? Tu sais, laisse les gens. Faut pas qu'ils s'amusent avec nous. Hein. Il y a coupé et après. Regardez. On s'en fout là. Délestage, c'est délestage. Mais qui est sûr, on s'en fout. Oh. Oui, Sonadel, bonjour. Allô, le ministre de l'enseignement supérieur chargé des affaires universitaires à l'appareil. Ah, monsieur le ministre, s'il vous plaît, ne quittez pas. Qui sait, c'est le ministre des enseignements supérieurs chargé des affaires universitaires. Attends, moi je ne comprends rien. Il y a trop de ministères maintenant ici. Hein? Ils ont raison. Yeah. Tu sais, l'université à elle seule a trop de problèmes. Donc, il faut créer un ministère chargé de leurs affaires. What? Sinon, why, c'est chaud. Hein? Ah bon? Oui, monsieur le ministre, je vous écoute. Oui, écoutez mes amis, je comprends rien là. Comment se fait-il qu'il y a coupure dans mon quartier et en même temps coupure du côté de l'université de Ouagadougou? Qu'est-ce qui se passe? Oh oui, monsieur le ministre, c'est vrai, mais vous n'êtes pas sans ignorer que l'énergie ne suffit plus dans ce pays. Voilà, vous savez, sauf votre respect, vous n'avez que deux choix, hein? Ah ouais. Soit l'université, soit votre quartier. Bon, voyons, il est quelle heure là? 13h, hein? C'est l'heure de ma sieste. Il est coupé à l'université. Oh, monsieur le ministre, à vos ordres. Oui, c'est déjà fait. Hé, les gars, coupé. Qu'as-tu dit? Université, là, coupé. Wow. Voilà, monsieur le ministre, c'est déjà fait. Oh, Non, c'est déjà là. C'est nous qui les... Nous sommes les vrais gérants de Ouagadougou. Faut laisser ça. Sonadel, bonjour. Viens. Il y a des gens qui tournent ici là. Ne vous foutez pas des gens. Attends, monsieur le ministre, vous êtes au secteur 13? On n'a pas coupé? On m'a coupé. Est-ce que je vous ai dit que je suis à la maison? Ah, monsieur le ministre. Ah, je comprends maintenant. Vous êtes dans le Yoro. Non, mais il n'y a pas de problème. On gère ça, ok? On gère ça. Hé, hey, monsieur le ministre. Non, on est très content de vous même, quoi. Hé, hey, monsieur le ministre. Mamou Gse. Kadansé. Kadansé. Mamou Gse. Monsieur le ministre. Ok, à tout à l'heure. Les gens vivent, quoi. Ah, ils vivent des... Mais quand tu as l'argent, il faut vivre. Sonadel, bonjour. Qu'est-ce que vous m'avez fait comme ça? Écoutez, c'est ma tête, vous voulez ou quoi? Je pense que mes consignes ont été très claires. Pourquoi avez-vous coupé sur la ligne rouge? Non, monsieur le directeur, c'est pas nous. C'est une salamandre qui est tombée sur l'interrupteur. Considérez que c'est déjà réglé. Si je perds mon poste. Oui, excusez-nous beaucoup, hein. Ça ne va plus se répéter. Oui, excusez beaucoup. Oui, excusez, hein. Oui. Astaghfirullah. Mais qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Quoi? Remets-moi ce truc-là, oui. Tu sais, ne me crée pas de problème dans ce pays-là. Tu ne sais pas que la ligne rouge, là, c'est pour les gourous de ce pays? Et puis après, on s'en fout des gourous? Ah oui? Gourou, c'est quoi?
C'est des humains comme nous là. Ah. Et ils n'ont qu'à goûter voir aussi. Puis, où est-ce que tu es? Tu as dit, hey! Hey, Baharin Karawa, hey, moi-même, je suis fatigué. On n'a qu'à partir. Ça m'énerve. Et hey, on n'a qu'à tout couper et puis rentrer. Ça, c'est pas ça la même. Attends. Nous-mêmes, on est dans le noir. Là. On a merde de cette blessure. N'importe quoi.